Nul ne doit profiter de son délit. Vous connaissez sûrement cet adage populaire. Au quotidien, les forces de l'ordre sont chargées d'identifier et de participer à la saisie des biens acquis par la commission d'infraction. Cela s'appelle la saisie des avoirs criminels. On parle d'avoirs criminels, mais on peut évoquer plus largement les profits tirés du crime. Il s'agit de tout bien, service ou avantage faisant partie du patrimoine d'une personne et qui a été acquis, légalement ou non, grâce à la participation à une infraction. À ce jour, les biens saisis en France proviennent majoritairement d'infractions en lien avec le trafic de stupéfiants. Si jusqu'à récemment, saisir les biens des délinquants permettait de collecter des preuves de leur infraction, très utile aux enquêtes, c'est aujourd'hui un véritable outil de lutte contre la criminalité et la délinquance. Saisir une voiture, une moto, une maison ou de l'argent qui n'a pas été obtenu légalement, c'est donc frapper au portefeuille le délinquant et c'est particulièrement dissuasif. En 2021, les policiers et les gendarmes ont saisi près de 700 millions d'euros à des délinquants et des criminels, un montant record qui équivaut à 2 avions de ligne. Parmi ces saisies, une majorité d'argent, mais aussi par exemple des appareils multimédia, des véhicules. D'autres biens plus insolites parfois sont saisis à des délinquants, comme des bateaux, même des animaux. Pas moins de 30 animaux ont ainsi été protégés pour la seule année 2021. Malgré cela, plus de la moitié des saisies réalisées par les forces de sécurité intérieure sont inférieures à une valeur de 1 000 euros. Et c'est particulièrement dissuasif pour les délinquants qui commettent ainsi moins de nouvelles infractions. Identifier, saisir les avoirs criminels, c'est une activité très encadrée en France. C'est l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'AGRASC, qui est sous la tutelle du ministère de la Justice et du Budget, qui est chargée de faciliter, le cas échéant, de gérer l'argent et les biens saisis et de les conserver jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la justice. Cette agence est donc parfois mandatée par la justice pour vendre aux enchères un appartement, une voiture saisie. Cet argent récolté revient aux caisses de l'État et peut être confié par exemple à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDECA, s'il s'agit d'une infraction en lien avec les stupéfiants, ou s'il s'agit de proxénétisme au fonds de prévention de la prostitution et de la traite des êtres humains. Il est fréquent que les biens soient confiés à des services de police et de gendarmerie, et c'est particulièrement important au vu de l'engagement des enquêteurs dans ce domaine. Parce que lutter contre la criminalité et la délinquance est une priorité, chaque année, l'AGRASC forme les magistrats, les policiers, les gendarmes à l'identification et à la saisie des avoirs criminels. C'est donc avant tout un travail d'équipe entre les forces de l'ordre, la justice et le ministère du Budget.